Oh là, il redescend. Allez, on repart du spot ce soir. Il y aura la police qui va venir. Ils ont prévu de la pluie à 6h du matin. Et le spot, il était trop bien. Et bah, c'est fini, on va faire des travaux. Bon, j'attends le feu vert pour partir. Mais alors, comment je vois comment Sophie, elle galère pour sortir de là. Je me dis, il est mignon, mais j'ai un peu peur. Je te laissais le takuboki sur le tableau de bord. Tu m'écoutes, je suis là. Ça va pas, je... Tu sautes. Le top. Ouais, non, voilà, une corde entre deux camions. Je suis pas sûre qu'il fasse la marche arrière. Hein. Ce matin, on part en exploration dans le désert de Teruel. On va au Canyon Rouge. On va au Canyon. Ah, ça pique. Ouais, on marche dans les. Je sais pas c'est quoi. Ça pique. En fait, on ne trouvait pas le chemin, mais il est en face. Il faut qu'on redescende. On est parti à l'arrache. Oui, on est parti un peu. Bah, en fait, l'eau elle a emporté aussi les traces de. En fait, on est pile poil sur l'arrivée d'eau. Regardez. Voilà. On se rend compte que tout le canyon là, tout ça là, et bah toute l'eau. Elle coule jusque là où, là où on est. C'est peut-être pour ça que c'est un peu humide là où on est. Donc non, on va choper, il y a un chemin en face là. On va aller essayer de le rattraper, mais il faut redescendre du coup. Bon, c'est facile en vrai. Bah oui, allez. Oh, le chiquier pour rien. T'auras sauté au-dessus d'un canyon. Ouais. Bon, mini canyon, mais regarde, un canyon quand même. Il y a l'évaporation. Bon, on sait pas ce que ça donne en vidéo. Mais alors, la vue de fou qu'on a, c'est majestueux. Voilà, on a même un mini canyon. Ouais. Il faudrait prendre, on s'est dit, oh, si on avait eu une majorette de GG, on l'aurait mis là, en plein canyon. Voilà, les mini canyons. Non, c'est trop fort. On l'aurait mis là. C'est vraiment, c'est splendide. On voit les camions au loin. Regardez, les éjecteurs sont là-bas. Et nous, on est montés et on continue de monter. Ou redescendu, je sais pas trop. À l'origine de la faille du canyon. Ouais, et ça bat. Vous imaginez, ça part de là et en quelques mètres, voir le dénivelé que ça a, c'est fou. Hein. Et puis bah, là, ils sont là-haut. Ils sont là-haut. À mon avis, ils vont pas venir. Mais nous, on va sûrement retrouver un chemin là. Ouais. Et un chemin, et à mon avis, on va pouvoir remonter un petit peu plus loin. Ouais. Mais on veut avoir la belle vue. Ouais. On s'inquiète un peu parce qu'on fait une petite pause, on a arrêté de bouger et là.
Je sais pas si vous voyez, il y a 6 vautours là qui sont en train de... Ils repèrent leur repas pour... Ouais, du coup on a planqué le chien. Ouais, Jean-Marc il a dit, oh un petit chien comme ça. Franchement ouais. Je vais essayer de faire un zoom mais... Ouais, faut pas se perdre. Hein. Ah bah non, hein, ils attendent que ça. On a eu une idée tout d'un coup, qu'on aurait pu avoir avant. C'est que la vue est tellement belle, on se dit, waouh, au milieu du canyon, on pourrait descendre. Sauf que, bah, évidemment, on n'a pas pris ça au point le plus facile. Ça nous a pris en cours de route. Donc, on est en train d'y aller mollo, mais on est en train de descendre, c'est pas trop abrupt. Donc, voilà. Et on va essayer d'aller prendre la vue, mais au milieu du canyon. Voilà, exploration. Bon, c'est bon, tranquillement, on a réussi. Et voilà, on est au milieu du canyon. Voilà, avec une super vue, ouais, ça grimpait bien, hein. Vous voyez, voilà, de toute façon on voit même pas. On s'est dit, s'il faut qu'on fasse demi-tour, il faut qu'on grimpe tout ça, pas de physique. Hein. Mais non, non, franchement, en descendant tranquillement, et puis comme c'est assez meuble, vu qu'il a plu, on s'enfonce bien les pas, donc ça glissait pas trop. Donc voilà. Et puis bah les gars, on les retrouvera plus loin parce que on a dit on va aller se balader un petit peu nous au milieu du canyon et puis on se retrouvera en bas. Regardez cette vue. On a l'impression qu'on est en plein milieu du canyon avec la hauteur, les arbres et tout. Et en fait, regardez, j'ai pied. Ah, c'est trop fort. Regardez, Nestor, il est énorme du coup. Ah, c'est trop marrant. Mais ça fait vraiment une route à travers le canyon et tout ça. Et non, en fait, c'est juste voilà, le point de vue qui change et la perspective. C'est trop marrant. Ça fait un géant. Un géant dans les canyons. Ça y est, fin de la balade. On a fait environ... Ah, je vais mettre là. Désolée pour le vent. On a fait environ 5 km à peu près, voilà, de balade. Et puis, maintenant, on va se rentrer, manger un bout. Et alors après, on verra ce qu'on fait. On ne sait pas. Mais il prévoit un peu de pluie pour demain matin. Donc, et de bonne heure. Je crois que c'est 6h du mat. Donc le mieux, c'est qu'on parte ce soir. Du coup, Capu, elle a laissé sa petite création dans le désert, hein, parce que c'était pas très pratique. Mais bon, on a essayé de le cuire tout ça, mais il a fissuré hier soir, donc... Bon, elle a fait un cadeau à Mère Nature. Allez, on repart du spot ce soir, avant la tombée de la nuit, tout simplement parce que demain matin, donc ils ont prévu de la pluie à 6h du matin, et que aussi, avec la bruine du matin, c'est hyper humide et on a peur de pas sortir demain. Donc voilà, on préfère jouer la carte de la sécurité, redescendre un petit peu plus bas, Et au moins comme ça on sera sûr demain de pouvoir repartir tranquille. Voilà, donc Jean-Marc est ressorti sans souci, ça a bien séché hein, là en fait. Et puis du coup c'est au tour de GG, je sais pas par où Loïc va vouloir ressortir. Thank you.
fait demi-tour, c'est mieux. Comme ça, on est prêt à repartir demain. Je vais essayer de guider un peu en même temps. Ça va, c'est assez large quand même. C'est toujours mieux d'être prêt à repartir, même si... Même si c'est stable et tout ça. Ça va se faire, ça va poser pour la nuit. Stop, stop. Oh là, il redescend. Bah, je suis pas sûre qu'il fasse la marche arrière. Hein. Si, mais ça va. Hop là, parce qu'elle est derrière. Et du coup, au fond, là, il y a du monde. Des petits, des Français aussi, apparemment des abonnés. On leur a demandé, on peut venir se coter à côté de vous, c'est plutôt sec. Voilà, comme ça, ce sera nickel. Le problème, c'est la pente pour la douche, bah, c'est la merde. Parce que c'est pas du tout le bon côté. Ça va pas être terrible. Bon, du coup, on change parce qu'en effet, la pente est vraiment pas bonne. Et là, à Calais, ça va être la misère. Donc, on va aller se mettre derrière Jean-Marc et Sophie. En tout cas, la chèvre va toujours pas. Va falloir qu'on sorte les câbles. Ça va pas, et puis il faut qu'elle ait des deux côtés, sinon la pente de la douche. On a déjà eu le problème avec la machine à laver ce matin, alors on va éviter deux fois dans la même journée. Ouais. Là, puis là, c'est... tout est pente et est en mauvaise pente. On a fait demi-tour, on n'aurait pas dû. Bon, on va dire, on aura fait une belle petite nuit ici, nickel. Vous avez vu, on s'est déplacé de pas grand chose. On était juste ici. Bon, le virage là pour redescendre, c'était chaud hier soir. Donc, même pour Calais, c'était chaud parce que là, le point le plus bas, il faut qu'il soit ici. Et comme par hasard, c'est le point le plus haut. Donc, on a un petit peu galéré. Ce matin, la machine, j'ai vidangé tout doucement. Et puis bah là, je m'en vais faire une petite photo là pour le four solaire. Là, on va faire une photo là parce que, regardez. Ça va claquer la photo pour le four solaire. Allez, regardez, ça prend pas de place, c'est génial. Regardez, hop, la petite pochette, le petit sac. Regardez, voilà, nickel. Voilà, je suis obligé de le dire parce que j'en suis fier, solaire brother. Et regardez, je vais faire le petit sac à la Dora. Attends, je vais faire mon petit sac à la Dora et me la partie là-bas. On va voir, on va essayer, on verra bien. Moi, je dis que ça va faire bien ici, hein, avec là les canyons. Voilà, on va faire la photo ici. Alors voilà, on triche un peu, hein. On n'a pas trop de soleil là aujourd'hui. Aujourd'hui c'est nuageux, mais on en profite comme on a ce décor là. Ça peut faire bien, ça peut mettre en valeur ce petit truc qui est trop bien là. Hein, oh là là, il me tarde de le faire fonctionner, il me tarde. Là normalement on va aller à Cuillara là, au bord de la mer. Là il va y avoir du soleil. Si demain on bouge pas, demain on va faire du four solaire. Ça gère. Allez, on monte ça vite fait. Bon, je vous refais pas un explicatif. Hein. Vous le verrez dans la vidéo qu'on fera pour ce petit truc. Nickel. Bon, allez, c'est parti. Nous la partie. J'ai passé un coup de fil à Jérém des Van Lifer. Là. Et il m'a dit non, ça va, il y a du soleil, il fait bon, on a les pieds sur la plage et tout. Nanana. Donc ça va, vous pouvez venir. Donc ce qu'on va faire, on va se préparer. Voilà, ça y est, le moteur il chauffe. On a Luc Bryson qui est en train de se positionner avec son drone pour nous filmer les sorties. Parce qu'en plus, c'est Vincent qui va conduire là, le chemin. Là, c'est que du chemin et on n'est pas sur la voie publique. Là. Et on va s'arrêter avant. Comme ça, on fera les changements de chauffeur et on récupérera Jean-Marc avec sa trottinette. Voilà. Donc voilà. Hein ? Mais non. C'est ce que j'ai dit, mais il n'y a pas de... Sophie va continuer tout droit et elle va pas récupérer Jean-Marc. Elle va pas. Oui. Non, mais là, de toute façon, même si ça frotte et tout, je serais frotté avec moi. Là, il y a du pipi de chat. Là, c'est rien du tout. C'est plus pour prendre le gabarit, un peu le comportement du camion, tout ça. Donc, Je suis là, t'inquiète pas. Je te laisse le takuboki sur le tableau de bord. Tu mes côtes, je suis là. Si ça va pas, je tu sautes. Ouais, si tu le sens pas, tu dis. Et... Si tu le sens pas, tu dis, je reprends. Oui, voilà. Je la ferai, moi, la connerie. Ouais.
On attend le top départ Megadrome. Attention, top départ. Allez, c'est parti. Ça y est, les filles, elles sont prêtes. C'est parti. Allez, on décolle. Bon, j'attends le feu vert pour partir. Mais alors, comment je vois comment Sophie, elle galère pour sortir de là. Je me dis, il est mignon, mais j'ai un peu peur. Je vois le camion qui fait comme ça, Hector, là. Ouais, ok. Bon, de toute façon, j'ai dit si je le sens pas et que je vais pas trop risquer, mais c'est vrai que là, il y a deux virages comme ça, là. Plus les creux, les rebords, plus à côté. Après, là, il y a la pente, là. Bon, c'est technique, hein, ça va m'apprendre aussi le gabarit du camion, tout ça, sans rien risquer. Mais après, c'est vrai que c'est un peu flippant. Voilà. Comme il dit, tu risques pas de basculer ni rien. Au pire, c'est de la rayure, mais quand même, je voudrais pas rayer GG, moi. Et le copilote, il a même pas peur, hein. Il attend juste, qu'est-ce qu'on fait là? Attends. Non, on attend parce que Sophie et Jean-Marc font les prises de vue en drone. Donc vous voyez là, il y a un premier virage à gauche, après à droite et après re sur la gauche et la montée. Voilà. Sinon, ça, c'est simple, hein. Il m'a dit c'est nickel, ok. Et lui, il a même pas l'air d'avoir peur. Il attend, il dit c'est pas habituel qu'elle soit là. C'est bizarre, c'est louche. Hein, Nestor? Ouais. Là, il chasse les mouches. Elle a perdu la vitesse. Chaussures de marche parce que les miennes étaient died. Trop marché. Et du coup voilà, on arrive sur le spot, bon, donc de nuit, mais bon, comme on le connaît, ça va. On va y aller. Donc il y a Jean-Marc et Sophie qui sont juste derrière. Et demain, normalement, il y a Van Lifer qui nous rejoint sur le spot. Ouais. Demain matin. Voilà. Allez, on vous dit bonne nuit, hein, à demain. Ouais, on fait ça. Bonne nuit. La première vidéo de demain, c'est lui qui la fera. Tu vas aller te baigner demain matin. Ouais, est-ce que je vais baigner avec le téléphone? T'as intérêt à aller te baigner. Ouais, bon, on verra. Parce que depuis le temps qu'il nous tente pour retrouver la mer, ouais. Maintenant que tu vas l'avoir. Ouais, on sait pas. Ouais, bon, y a intérêt. Vinciane vous l'a dit, la prochaine vidéo ce sera moi qui va se baigner. Voilà. Et là je dis oh, je suis de bonne heure, il n'y a personne qui est levé. Là si, Jean-Marc il est déjà au lever du soleil, il s'est même levé avant moi. Parce que le drone il est là-haut. Il fait un hyper slap. Un hyper lapse. Un hyper lapse, voilà. Donc je pense que vous verrez sur sa chaîne. Hein. Et puis bah, moi je vais aller me baigner. Voilà, obligé. Voilà. Ouais. Par contre il y a des vagues. Ça, j'avais pas prévu au programme. Pour rentrer dans l'eau, je vais faire arroser. Mais ça va le faire.
plage dit soleil, qui dit soleil dit paddle. Non, allez hop, c'est bon, regardez, il y a même Jérém, il a sorti les canoës, Arthur il a gonflé le bleu là, le deuxième à Van Leifer. Et puis Capieux va venir avec moi, hein, on va se faire un petit coup de paddle. Ouais. Hein, bon, j'ai pris la petite pochette. Bon, la qualité sera pas bonne parce que c'est pas très transparent. Mais déjà, si on arrive à tomber à l'eau et à filmer 2-3 gamelles, ce serait bien, non? Allez, bon, c'est avec parti. Moi, ça risque pas. Hein. Ouais, c'est ça, ouais, c'est mytho. C'est moi qui conduis. Ouais. Regardez, même Arthur, regardez, ce matin, il a été à la pêche. Regardez, il nous a fait des petits poissons. Ils sont tous enfermés là. Ouais, c'est la pêche. Arthur dit, oh, on va les manger. Il y a rien à manger sur les petits poissons comme ça. Oh bah, s'il dit qu'il y a à manger, c'est qu'il va en manger. Hein. Allez, ouvre la partie là. Hop. Bon, je sais pas du tout ce que ça va donner. Hein. Ouais, en effet, c'est pas terrible parce qu'avec l'écran là, c'est. Ah, c'est en train de se faire tomber là-bas. Arthur, il est pas rassuré en fait, parce qu'en fait, on est loin du bord. Et je suis un petit peu comme ça. Là, j'avoue. Mais bon, en plein milieu de la mer, comme ça, nickel. Voilà. Ah là là, le top. Ouais, ça gère, hein. Ça le fait. Hein. Ça va changer sévère. Fais-le tomber à la baille. Mais tape la tête. La tête. Allez, vous recommencez. Allez papa! Oula, vas-y. Déstabilisé. Il y en a un qui va être à la baille. Hein. Saute dessus! Non, parce que lui aussi, sinon il tombe. Ah, les deux! Ah bah voilà! J'ai gagné quand même, il est tombé avant moi dans l'eau. Ouais, mais t'as quand même fait tomber. Bon, bah dis, c'est le moment de s'en servir de cette petite lampe, hein? Bah oui! Allez! Bah ouais, il fait nuit dehors, hein? C'est le moment! Je vais mettre un petit peu de lumière quand même. Hop là! Voilà! Bah ouais, hein! Le top n'empêche, hein! Regardez, elle est encore trop belle, hein? Ouais, bon allez, on sort ça, puis on va mettre ça dehors sur la table avec les copains. Ouais, oui, je vais le faire. Bon allez! On va essayer notre belle lampe. Parce que là, ça manque un peu de lumière, là, ici. Là. Ok, vous avez un beau spot, là. Là, moi, j'ai le spot, là-haut, là, ici. Le problème, c'est qu'il éclaire que de ce côté-là. On n'aura pas été éclairé, là. Donc, on light, ils nous ont offert une belle lampe. Ils nous ont demandé de tester une belle lampe. Et regardez, attention. Je vais éteindre le flash, parce que ça va pas... Ça va... Voilà, ça va être mieux comme ça. Attention, regarde la beauté. Wow. Eh, c'est la classe. On croirait les lampes à pétrole, hein? Regarde. Ok, c'est. Je fais dire ça. Ok, c'est joli. Et en fait, elle est bien, c'est que regardez. Non, comme ça. Et là, elle éclaire vachement bien là. Là, ça pète là. Là, attention, ça pète. Ah oui, quand tu le suspends, ça va mieux. Ah ouais, quand tu suspends, c'est. Y a pas photo, hein. Un vrai spot. Donc là, on va mettre une corde de GG à Hector. Et on va accrocher ça là, impeccable, on va être bien là, hein? Bon, ouais, on va se faire ça, tu crois? Vas-y, attends, j'en ai une là. Ouais. Où tu le tiens? Non, peut-être plus haut, sur les rétros, c'est pas lourd ça. Où je le tiens? Allez hop, je le tiens. Nickel! Oh, regardez comment c'est trop bien! Ah oui, elle voulait attraper là. J'arrive pas à l'attraper! Et encore, on l'a pas mise à fond, hein. Regardez, elle éclaire vachement bien là. Regardez, on va la mettre à fond. Ah, oh, à chaque fois je me trompe. Voilà. Et là, oh lolo. On se croirait en plein jour. Hein? À peu près. Non, trop bien. Moi je suis content de leur produit là. Franchement, c'est pas pour dire, hein, mais franchement, le top. Regardez, ça éclaire tellement, on est obligé de la réduire. Voilà. On aimerait bien avoir la même. Ah bah, il faut aller sur Olight. Ouais, sur le site de Olight. Ouais. Elle est bien, hein, ouais, franchement. Je mettrai en description, on a toujours un petit code promo chez Olight. Voilà, tu vois, grâce à nous, tu vas pouvoir. Voilà. Combien exactement. En code promo, 50%? Non, ils sont pas aussi généreux que ça. Attends, c'est bien quand même, mais. Ouais, donc nickel. Black Friday? Ah, je sais pas. C'est Black Friday là, bientôt là, Black Friday. Comment tu crois? Je sais que c'est en fin d'année. Ouais, donc voilà notre compagnon de soirée autour du feu. Voilà, ouais, non, ça y est, sympa, ouais. Ça va. En plus, elle est jolie comme ça.
On la voulait pas comme ça, mais ça faut pas leur dire. Non, il y a plusieurs couleurs. Il y a plusieurs couleurs. Ah, oui, il y a. Il y a vert, beige, bronze. Ouais. Bleu. Bleu. Ouais. Ah bah ça. Ah bah alors light. Voilà. Faut noter. Hein. Ouais. Non bah nickel. Franchement, le top. Voilà, une corde entre deux camions. Nickel. Voilà, un pec. Et voilà, c'est tout ce qu'il faut. Ouais, on va faire du tir à la corde entre les camions. Hein, ça va être bien ça. Du tir à la corde. Ouais. Ah ouais, quand même. Et là, là. Bon, allez, zou. Barbecue. Bon bah dis, petit réveil tranquille. Je suis désolé, il y a du vent hein, mais là pour faire un rush là j'ai pas le choix que de sortir maintenant. Regardez, il y a une voiture qui est arrivée ce matin. Et voilà, le monsieur de l'entreprise là, il a posé les panneaux, il a dit hop c'est fini, le spot il était trop bien, et bah c'est fini, on va faire des travaux. Et ouais, là, je vais me mettre à l'abri du vent. Je sais pas si le vent il arrive par là. Ouais, voilà, c'est bon, ça va être mieux. Donc, ouais, va falloir qu'on bouge. Il a dit, demain, il y a les travaux, donc c'est bien de bouger aujourd'hui. Et au pire, dans la journée, il y aura la police qui va venir dire qu'il faut partir, parce que demain matin, ils attaquent les travaux. Donc, voilà, on va être obligé de bouger. C'est dommage, on était bien, là. On pouvait faire du paddle et tout ça. C'était tranquille, ici. Les gens, ils sont cool. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Donc bah, on va voir, on sait pas si on bouge juste à côté où Jérém il a son spot ou si on fait 80 bornes pour le prochain spot vers le sud. Voilà, inshallah. Allez c'est parti. Il y en a qui se disent au revoir, y a tout le monde s'en va là. Même les Allemands avec leur avec leur convoi là. Ouais, donc on redescend. On a fait on a pris la vie de tout le monde. Non en fait quitte à bouger autant descendre. Ouais, je pensais me mettre à côté du spot là, plus bas là où Jérém ils étaient garés avant qu'on les rejoigne. Et puis autant descendre, comme disait Jean-Marc, il fait pas beau, autant rouler. Et moi faut que je fasse de l'eau juste à côté là avant de repartir. Voilà, je sais qu'il y a de l'eau donc on y va. Voilà, ça y est, ça chauffe. Et là on est parti, là voilà, tranquille. Il y a Jérém qui me suit. Salut. Le con, ouais. Il y a Jérém et Isaac qui nous suit et Jean-Marc qui finit de se préparer là. Et après, bah, ils nous rejoignent comme ça. Nous, le temps de faire l'eau, ils ont le temps de se préparer tranquillement. Voilà, impec, tout bien. Moi, comme ce matin, on a dû changer de spot. On a trouvé un autre spot un peu plus beaucoup en centre-ville. Les bars d'hôtel et tout ça. Ça, c'est la côte en dessous Valence, c'est un peu ça. Mais on va en profiter parce que Capucine, elle voulait refaire sa chambre. Donc, elle veut aller dans un China pour pouvoir se trouver ses petites décos et tout ça pour refaire sa chambre. Donc il y a 2 km à pied à faire. Donc on en profite, c'est que au lieu de le faire en centre-ville, on le fait sur le bord de la jetée. Voilà. Et comme ça on profite en même temps de la belle vue. Donc on a déjà passé dans un petit China là le premier, mais il était vraiment petit et là voilà. Par contre le problème c'est que les décos de Noël elles sont sorties et je sais pas si elle va trouver ce qu'elle veut. Mais bon au moins on se sera promené. Et après je lui dis comme elle avait envie de marcher, on va monter là-haut.